lirue de votre indifférence, existe des hommes qui en ont assez. Leurs vies ne sont que subsistance et préféreraient ne plus exister. Condamnés qu'ils sont ainsi pris à votre monde qui n'est leur, ils vont de soubresaut en survie, mendiant même leur dernier cri-cœur. Sur de vos coins de rue, ils quittent, fort souvent pour eau-de-vie, qui soulagera un peu la tempête, qui s'abat sans cesse, sombre sur cri. Et parfois, l'un de vous donne, crache, monnaie, pour s'acheter conscience bonne, insolite partage de société de lâche, prolétaire exploité comme bête de somme. Et vous vous pensez fort bien à l'abri de vous retrouver en leur triste sort, si seulement vous saviez ce que furent leur vie, vous jugeriez moins ardemment à tort. Mais n'en avez que faire, consommation. Vous devez produire, consommer, acheter, suivre le troupeau, aucune autre option. Et vous ainsi perpétuer les abus, l'inégalité.